Je regrette de ne pas être venu te voir quand t'étais en prison. Je suis désolé. Je me suis dit que c'était pas la peine que tout le monde sache que ton frère était flic. Ah, c'est pour ça que t'es pas venu. Pas une seule visite. Je suis resté 9 ans en tôle. Tu te fous de ma gueule? Tu sors de tôle et tu m'appelles pas? Et toi, Chris, t'en es où? T'as des projets? Faire plaisir aux juges, pas le choix. Ça me fait vraiment chier de nettoyer les chiottes et de faire le larbin. Ça me fait vraiment chier que tu sois obligé de bosser dans ce garage pourri. Toi qui voulais changer de vie, ne fais pas marrer, tu changeras jamais, t'es qu'une pourriture. En ce moment, il prépare un coup. Il cherche un mec sur qui on peut compter. Je te les présente. La première fois que j'ai été le voir en prison, je me souviens, il m'a vachement déçu. Faut dire que je l'adorais en ce temps-là. Chris était mon héros. Comment j'ai pu croire que t'avais changé? Avec moi, tu vas être heureuse comme tu l'as jamais été. Je vais te quitter. Tu m'as menti, Anthony. C'est trop tard maintenant. Tu m'as piqué ma femme! Ma gamine! Tu crois que je vais te laisser faire, connard? J'ai trouvé un nouveau boulot. Tu vas faire quoi? Toutes ces histoires, ça commence à me faire vraiment chier. Les flics, c'est des porcs. Essaie pas de nous faire croire que t'es une victime tout à coup. J'aurai plus jamais confiance en toi. Lâche ton flingue, mets les mains en l'air! Fais ce que je te dis, putain!